إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإنه يشرفني أن أكون بين يديكم وأشكر مسؤولي هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا المسجد العباد والبلاد أشكرهم على دعوتهم ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن يكتب لنا الأجر والثواب أما عن موضوع المحاضرة فقد طلب مني أن أترجم لأحد أعلام هذا الدين ولأحد علمائه الكبار فكان اختياري لعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وكان اختياري للشيخ أولا لأن سيرته ليست منتشرة بين الناس والشيخ رحمه الله تعالى قد لا يعرف أكثر المسلمين اسمه فضلا عن سيرته وعن مكانته وعما قدم لهذا الدين العظيم وكان اختياري أيضا للشيخ رحمه الله أنه من العلماء المعاصرين وهو في سمته وعلمه وخلقه من بقية السلف فحتى يعلم المسلمون أنه كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Donc tout d'abord, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous dans cette mosquée bénie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette mosquée une mosquée qui est profitable à cette ville, à ses alentours et à ses habitants. Et je remercie par la même occasion les responsables de cette mosquée pour avoir permis que cette rencontre ait lieu et afin que l'on se rappelle mutuellement les versets, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en l'occurrence aujourd'hui de parcourir avec vous la biographie et la vie d'un illustre savant de l'islam. Il m'a été demandé de faire la biographie d'une figure de l'islam parmi les savants et mon choix s'est porté sur l'immense cheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah ta'ala. J'ai choisi la biographie de cet immense savant, tout d'abord parce que sa biographie n'est pas répandue. Et il se peut que beaucoup de musulmans
n'en connaissent même pas le nom. Et de surcroît n'en connaissent pas la biographie et ne connaissent pas le bien qu'a apporté cet immense savant, rahimahullah ta'ala. Mon choix s'est aussi porté sur le Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti, rahimahullah, car c'est un savant contemporain. Et cet immense savant, dans sa science, dans son comportement, dans son allure, dans son adoration, dans son ascétisme, fait partie des comportements qu'avaient nos pieux prédécesseurs. Et le fait de nous rappeler mutuellement la biographie d'un savant comme celui-ci nous rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit que ne cessera d'exister un groupe qui fera éclater la vérité. Ce groupe ne sera pas influencé par ceux qui les trahissent ou par ceux qui mentent à leur sujet jusqu'à ce que le commandement d'Allah vienne. Effectivement, nos pieux prédécesseurs sont décédés depuis plusieurs siècles maintenant. Mais il y a jusqu'à nos jours des personnes qui leur ressemblent, des personnes qui nous font rappeler ces générations bénies que sont les générations de nos pieux prédécesseurs. وبدئ بدء أقول أنني لا أستطيع أن آفي للشيخ حقه وإنما سأحاول بإذن الله تبارك وتعالى قدر المستطاع أن أبين شيئا من سيرته ومن شخصه ومن منهجه وحتى يكون مثالا لمن أراد الاقتداء بالهدى والحق وكما قيل إن سيرة الرجال مدرسة الأجيال وسيرة الشيخ معروفة لمن لقيه أو حضر مجالسه أو استمع إلى دروسه أو قرأ كتبه. Et d'emblée je dis que durant cette biographie je ne pourrai donner et rendre au cheikh le droit qui est le sien. Durant cette biographie je vais tenter d'apporter une lumière sur quelques aspects de sa vie, rahimahullah ta'ala, de sa personne, de sa science et du bien qu'il a pu apporter à cette communauté musulmane. فهو محمد الأمين واسم أبيه محمد المختار ابن عبد القادر ابن محمد ابن أحمد نوح وقبيلته هي القبيلة الكبيرة المشهورة المشهورة بالجكنيين وولد رحمه الله تعالى في عام 25 بعد 300 وولد رحمه الله عند ماء يسمى تنبه في قطر يسمى بكيفة وهي منطقة بشنقيط والشنقيط هي دولة موريتانيا الإسلامية حاليا والشنقيط كلمة واسعة شاملة تشمل القرية وتشمل أقصى موريتانيا في الشمال الغربي. Son nom est Mohamed Al-Amin.
le nom dont son père est Muhammad al-Mukhtar, le fils de Abdul Qadir, le fils de Muhammad ibn Ahmed Nuh. Cheikh Muhammad al-Amin, rahimahullah, fait partie de la tribu appelée al-Jakaniyin. La tribu des Jakaniyin, qui est une tribu connue et réputée en Mauritanie. Et vous savez que la Mauritanie est constituée de plusieurs tribus. Certaines sont connues pour leur science, d'autres sont connues pour leur commerce, et d'autres sont connues pour d'autres qualités qui sont les leurs. Quant à ce qui reflétait la tribu des Jakaniyin, c'était la science religieuse. Il est né, rahimahullah, dans un endroit appelé Tanbah, dans la région proche de la ville de Kaïfa, qui est une ville en Mauritanie, qui se situe dans la région de Chinqit. Et la région de Chinqit, et Chinqit signifie la Mauritanie actuelle, mais signifie également toute la partie nord-ouest de la Mauritanie. أما طلبه للعلم فقال الشيخ رحمه الله عن نفسه توفي والدي وأنا صغير أقرأ في جزء عما وترك لي ثروة من الحيوان والمال وكانت سكناي في بيت أخوالي وحفظت القرآن على خالي عبد الله بن محمد المختار حفظ القرآن رحمه الله تعالى وعمره 10 سنوات ثم بعد ذلك تعلم رسم المصحف العثماني على ابن خاله وقرأ عليه علم التجويد وقرأ عليه القرآن برواية ورش وبرواية قالون وأخذ عن ابن خاله سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 16 سنة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله a grandi orphelin. Son père est décédé alors qu'il était dans son apprentissage du Coran en train d'apprendre le Juz Amma. Son père lui a laissé en héritage des biens et des bestiaux. Puis le cheikh a vécu dans la maison de ses oncles et a notamment appris le Coran auprès de son oncle maternel Abdullah ibn Muhammad al-Mukhtar. Il a appris le Coran dans sa totalité à l'âge de 10 ans. Puis, il a appris l'écriture selon al-Rasm al-Uthmani, toujours, et cette fois-ci, par son cousin, le fils de son oncle. Donc, il a appris le Coran avec son oncle, et avec le fils de son oncle, son cousin, il a appris l'écriture selon l'écriture uthmanite. Il a appris le Coran selon la lecture de Warsh, qui est la lecture la plus répandue dans le Maghreb islamique. Et il a appris également le Coran selon la lecture de Qaloun. Et il a appris de ces deux lectures de son cousin un sanad, une chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'on dit une chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que le Coran a été enseigné par Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a enseigné à ses compagnons et ainsi de suite, de cheikh en élève jusqu'à arriver
à Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah ta'ala. C'est donc un immense mérite que d'avoir le Coran en ayant dans, après son apprentissage, une certification et une chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car tu es sûr que tu lis le Coran comme il a été révélé. ثم بعد ذلك قرأ الشيخ بعض المختصرات في الفقه المالكي وكذلك درس العربية والأدب والنحو على زوجة خاله. إذن أخذ القرآن حفظ القرآن على خاله وتعلم القراءة وأخذ روايتي ورش وحفص وقالون على ابن خاله وأخذ النحو والأدب واللغة على زوجة خاله وأخذ الشيخ رحمه الله العلم على عدد من شيوخ منطقته كما قال رحمه الله وقد أخذنا عن هؤلاء المشايخ كل الفنون النحو والصرف والوصول والبلاغة وبعض التفسير والحديث. Et le cheikh a appris l'arabe, la littérature, la grammaire de la femme de son oncle. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti depuis son plus jeune âge pour avoir autour de lui, au sein même des membres de sa famille, des personnes pour lui apprendre les bases de la science, le Coran, la langue arabe, et il a bien sûr appris les autres domaines de la science par les chouyours qui étaient autour de lui. Il a appris d'eux la grammaire, la conjugaison, les bases du fiqh, le tafsir ainsi que le hadith. ثم بعد ذلك بعدما أخذ رحمه الله تعالى هذا العلم المبارك في حيزة عائلته جهزته أمه لطلب العلم فجهزت له جملين أحدهما عليه مركبه وكتبه والآخر عليه نفقته وزاده وصحبه خادم ومعه عدة بقرات وقد هيأت له أمه من أحسن المراكب وهيأت له من أحسن الملابس فرحا به وترغيبا له في طلب العلم. Et lorsque sa famille ont vu que le cheikh rahimahullah avait une capacité d'assimiler la science extraordinaire, sa mère a décidé de l'envoyer en dehors de sa région pour apprendre la science. Elle lui a alors préparé deux chameaux, l'un sur lequel elle a mis ce dont il a besoin comme livre et comme vêtements et autres ustensiles, et dans l'autre chameau, elle y a mis sa nourriture et de quoi subvenir à ses besoins. Et elle a envoyé avec lui un servant qui a avec lui des vaches. Elle lui a préparé les montures les plus belles
et les vêtements les plus beaux afin de l'encourager à apprendre la science. Afin de l'encourager à apprendre la science et afin également d'exprimer sa joie et le bonheur qu'elle connaît en voyant son fils partir et voyager pour apprendre la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فرحل الشيخ رحمه الله تعالى وطاف على أهل العلم في القرى التي حوله حتى يحصل العلم ويجلس إليهم. وطريقة الدراسة في موريتانيا بإجمال حتى لا نطيل في هذا أن الطالب عليه أولا أن يحفظ المتن الذي يريد تعلمه فإذا حفظه وكانوا يحفظون على اللوح الخشبي يكتبون ما تيسر لهم مما يريدون حفظه فيحفظون ثم يمسحون ويكتبون باقي المتن حتى ينتهوا منه فإذا انتهوا منه بدأ شيخهم يشرح لهم شرحا ماتعا شافيا متن هذا الكتاب ثم بعد ذلك يتدارسون ويتذاكرون شرح الشيخ بينهم حتى يتأكدوا أنهم فهموه على الوجه اللائق. Comment était l'apprentissage à l'époque et comment il est actuellement également en Mauritanie? Il y a plusieurs façons d'apprendre. Tout d'abord, de qui apprendre? Lorsqu'un cheikh se proposait pour donner des cours et que cela se savait, eh bien les élèves venaient de toutes parts. En construisant autour de la maison du cheikh, qu'ils appellent al-murabit, des maisons temporaires, voire des tentes, afin de prendre de lui la science. Et en Mauritanie, le professeur ne prend rien de ses élèves. Au contraire, s'il a de quoi les aider, il les aide. Ensuite, la règle est qu'ils n'apprennent jamais deux sciences différentes en même temps. Lorsqu'ils apprennent une science, ils n'apprennent qu'une matière. Lorsqu'ils l'ont terminée, ils passent à la suivante. La troisième particularité, c'est que l'élève doit tout d'abord apprendre le livre par cœur. S'il veut, par exemple, apprendre la grammaire, il doit tout d'abord parcœuriser et apprendre par cœur le matn. Ça peut être al-ajrumiya, ça peut être al-alfiya ou autre. Et ils l'apprennent sur des planches, ils écrivent les vers à apprendre, ils les apprennent par cœur, effacent la planche et réécrivent les vers suivants jusqu'à apprendre la totalité du livre. Et lorsqu'ils l'ont appris par cœur, c'est là où le cheikh leur explique chacun des vers, en leur apportant les éclaircissements, en leur expliquant les différentes règles. Et ensuite, les élèves débattent entre eux, se soumettent les uns les autres les sujets traités par le cheikh afin d'être sûrs qu'ils ont bien compris le cours et qu'ils ont bien assimilé le livre. C'est ainsi qu'ils apprenaient et c'est ainsi qu'ils apprennent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'a appris le cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah ta'ala.
Sauf que lui, rahimahullah, contrairement aux autres, ou un privilège dont Allah azawajal a comblé, et qu'il a énormément appris au sein des membres de sa famille. Et Allah azawajal l'a comblé également d'un immense bienfait qui est la facilité d'assimiler la science et une énorme faculté de mémoriser. Au point que certains des chouyours lui ont obligé d'apprendre plusieurs matières en même temps, chose qu'ils ne font jamais. La règle chez eux, c'est que tu n'apprends pas de matière en même temps. Mais pour Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqitri, certains lui ont même obligé d'apprendre plusieurs sciences en même temps, car il en avait la totale capacité. وهكذا نشأ الشيخ رحمه الله تعالى حتى صار عالما من علماء موريتانيا وكانت أعماله كعمل أمثاله من العلماء الدروس والفتوى ولكنه الشيخ اشتهر بالقضاء وبالفراسة فيه وكان المواطنين يعظمونه ويأتون إليه من أماكن بعيدة حتى يقترحوا عليه مشاكلهم ويأخذوا بقضاء الشيخ رحمه الله وقد كونت لجنة سميت لجنة الدماء في موريتانيا مكونة بعالمين فقط وتعلمون أن موريتانيا استعمرتها فرنسا ووضعت فرنسا حكاما فرنسيين وكان هؤلاء الحكام يقضون بالقصاص في القتل لكن بعد محاكمة لجنة الدماء يقترحون الأمر على لجنة الدماء المكونة بعالمين وأحدهما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. Et c'est ainsi que le Cheikh Mohamed Al-Amin al-Shinqiti rahimahullah a progressé dans la science jusqu'à faire partie des savants de la Mauritanie. Et ses œuvres étaient les œuvres des savants, à savoir donner des cours, enseigner la religion, répondre aux questions des gens. Mais Cheikh Mohamed Al-Amin al-Shinqiti rahimahullah était réputé également par ses qualités de juge. Par ses qualités de juge, et les gens venaient de toutes parts pour leur soumettre leurs problèmes, leurs différends, afin que le Cheikh, rahimahullah, donne son jugement. Et vous savez que la Mauritanie est un pays qui a été colonisé par la France. Et à cette époque, le pays était colonisé. Et parmi les conséquences de la colonisation de la France, c'est qu'ils ont mis en place des juges français là-bas, en local. Et ces juges appliqués avaient la possibilité d'appliquer la loi du talion lorsqu'il y avait un meurtre. Sauf qu'ils ne demandaient pas, ils ne mettaient pas en œuvre cette loi du talion qu'après avoir demandé l'avis d'une instance appelée l'instance du sang. L'instance du sang en Mauritanie qui n'était composée que de deux savants. Et l'un d'eux était Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah ta'ala. Thumma safara al-Shaykh ila al-Hajj. وهذه
الرحلة العظيمة المباركة ألف فيها الشيخ رحمه الله كتابا مستقلا ذكر فيه مراحل رحلته وما لقي فيها من أناس وما مر عليها من بلاد وما طرح عليه من مسائل ذكر ذلك في كتاب سماه الرحلة إلى حج البيت الحرام. Puis, en l'an 1367 de l'Hégire, qui correspond à peu près l'année 1946, le Cheikh, rahimahullah, est né en 1325 de l'Hégire, ce qui correspond à l'année 1904. En cette année 1946, il a voyagé pour accomplir son hajj. Et ce voyage était un voyage magnifique, un voyage plein d'étapes, au point que le Cheikh, rahimahullah, on a écrit un livre qu'il a appelé « Le voyage vers le pèlerinage de la maison sacrée ». Dans ce livre, il détaille, en donnant des détails extrêmement précis, des différentes étapes de son voyage, de la Mauritanie jusqu'à la Mecque. Il détaille les endroits dans lesquels il est passé, les pays qu'il a traversés, les personnes qu'il a rencontrées, les questions qui lui ont été posées, les réponses qu'il a apportées. Il détaille tout, rahimahullah ta'ala. Et dans l'introduction de son livre, il cite ce qui l'a motivé à écrire ce livre racontant son voyage à la Mecque. Ce qui l'a motivé en premier lieu, ce sont les questions qui lui ont été posées et les réponses qu'il a apportées, afin de faire profiter les musulmans de cette science et de ces questions qui ont été posées, des questions qui sont diverses et variées. Certaines étaient en rapport avec la langue arabe, d'autres en rapport avec la rhétorique, d'autres en rapport avec le mariage, d'autres en rapport avec la prière, etc., etc. Les étapes sont nombreuses de ce voyage béni. Et je pense que pour essayer d'économiser le peu de temps qu'il reste, je vais essayer de vous raconter les différentes étapes que le Cheikh a parcourues durant son voyage, en langue française uniquement, incha'Allah ta'ala. Donc le Cheikh est parti le 7 de Jumad al-Akhira de l'année 1367 de l'Hégire. Il est arrivé à la ville de Kaïfa en Mauritanie. Et le Cheikh ici cite qu'arrivé dans cette ville, c'est l'une de ses cousines qui lui a posé les premières questions sur un sujet extrêmement pointilleux dans la langue arabe. Et le Cheikh rahimahullah a voyagé en chameau. Et il dit: فخرجنا من بيتنا يصحبنا بعض تلامذتنا إلى قرية اسمها كيفا فوصلنا في مدة خفيفة والجمال تسعى بنا في الأودية والرمال. Comment vous traduire ça en français? Yani, la langue arabe, elle a sa saveur, elle a sa touche. Le Cheikh dit qu'il sort de chez lui et qu'il est accompagné de ses élèves qui l'accompagnent jusqu'à sortir de la ville pour lui
pour lui faire les adieux et pour lui souhaiter bon voyage. Et le cheikh dit, alors que nous étions sur nos chameaux et que nous parcourions les vallées et les plaines et les dunes, c'est alors que nous sommes arrivés à la ville de Kaïfa. Et comme je l'ai dit, les premières questions qui lui ont été posées étaient les questions de sa cousine. Puis, de Kaïfa, ils sont partis le soir et se sont rendus dans une ville appelée Ahlu Talib, Jadda. Et là-bas, beaucoup de savants l'ont accueilli et lui ont souhaité bon voyage. Et bien sûr, ces savants ont profité du passage de Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti pour lui poser des questions, notamment ici sur Al-Qiyas Al-Istithnai, qui est un sujet dans les bases du fiqh. Puis, le Cheikh dit, puis nous sommes arrivés dans la région de Tamashqat, à l'heure du Maghrib. Et la plupart des savants de cette ville nous ont visités et nous ont fait leur adieu. Il a continué son chemin, rahimahullah ta'ala, jusqu'à arriver à la ville de l'Ayoun. Et la ville de l'Ayoun, ce n'est pas celle qui est au Maroc, mais c'est celle qui est en Mauritanie. Il y a deux villes appelées Al-Ayoun, l'une au Maroc, l'autre en Mauritanie. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, la ville de l'Ayoun, dont parle ici le Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti, rahimahullah, est celle qui se situe au sud de la Mauritanie. Et durant son passage à l'Ayoun, beaucoup de questions lui ont été posées. Et le Cheikh, dans son livre, détaille les questions et détaille les réponses qu'il a données. Mais bien sûr, cela prendrait trop de temps. Mais pour vous donner des exemples des questions qui lui ont été posées à Al-Ayoun, la première est concernant le fait de rassembler deux sœurs esclaves. Vous savez qu'Allah Azza wa Jal nous interdit de nous marier avec deux sœurs en même temps. Wa an tajma'u bayna al-ukhtayn. Ici, Allah Azza wa Jal parle des femmes qui sont libres. Mais est-il autorisé pour celui qui a des esclaves d'avoir deux esclaves sœurs en même temps? C'est une des questions qui lui ont été posées. Parmi les questions également, est-il autorisé de faire un échange de monnaie entre une monnaie en papier et une monnaie en métal? Il y a des billets, il y a des pièces. Est-ce qu'il est autorisé de faire un salam, qui est, là on rentre dans le sujet des ventes, à la kulli hal, c'est le fait d'échanger de l'argent qui est de nature différente. Et ici, en l'occurrence, de l'argent qui est en papier avec de l'argent qui est en métal. Car dans le sujet de riba, si je te donne 300 grammes d'or, tu dois me donner 300 grammes d'or. Si tu me donnes 305 grammes d'or, ces 5 grammes sont considérés comme du riba. Pourquoi? Car cela fait partie des matériaux dans lesquels le riba est présent ou est effectif. Et dans ce cas, le poids doit être exactement le même. Le poids doit être exactement le même.
Une autre question qui a été posée au Cheikh concernant les noms et attributs d'Allah, notamment la parole d'Allah Azza wa Jal, Thumma stawa ala al-arsh, et la parole d'Allah Azza wa Jal, Yadullahi fawqa aydihim, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qalbul mu'mini bayna usbu'ayni min asabi'i ar-Rahman. Ces questions lui ont été posées sur les noms et attributs d'Allah, notamment la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit « Puis il s'est élevé au-dessus de son trône ». Et la parole d'Allah Azza wa Jal, « La main d'Allah est au-dessus de leurs mains ». Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Que le cœur du croyant est entre deux doigts des doigts d'Allah ». Comment comprendre ces noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Devons-nous les interpréter ? Devons-nous les nier ? Etc. etc. Et le Cheikh a répondu, rahimahullahu ta'ala, par une réponse qui s'est étalée sur 14 pages et dans laquelle il a appuyé sa réponse en conformément à la croyance de nos pieux prédécesseurs, à savoir que nous prenons ces attributs comme ils viennent. Allah Azza wa Jal dit qu'il s'est établi au-dessus du trône, Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de son trône. On ne demande pas le comment, on ne fait pas ressembler à Allah, on ne fait pas ressembler Allah à ses créatures, et on ne n'interprète pas également. Ainsi, numirruha kama ja'at. Et parmi les particularités du Cheikh, rahimahullah, c'est qu'il avait une science infuse dans la langue arabe et dans la poésie arabe. Et dans son livre, où son livre est truffé de vers de poésie, lorsque le cheikh passait dans une ville ou lorsqu'il passait dans une contrée qui avait un nom, ce nom lui faisait rappeler un vers de poésie et il le citait. Et si je disais que Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti était unique en son genre dans ce domaine, à notre époque, je ne serais pas loin de la vérité. Car en lisant le livre, en passant dans des endroits avec des noms qui ne sont pas familiers, cela lui faisait rappeler un vers de poésie. Et de connaître les vers des poésies est extrêmement important pour la compréhension de la langue arabe. Car les Arabes utilisent la poésie pour exprimer des sens. Ainsi, ils placent les mots là où il le faut et utilise les mots de la meilleure des façons. Pour cela que vous voyez dans les livres de tafsir, comme par exemple le tafsir de l'imam al-Tabari, rahimahullah, il rapporte beaucoup de vers pour appuyer le sens d'un mot dans la langue arabe. Et Cheikh Mohamed Al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah, était un signe parmi les signes d'Allah dans ce domaine. Il s'est approché de la frontière mauritanienne entre la Mauritanie et le Mali. Car vous le savez, pour ceux qui sont bons en géographie, pour aller de la Mauritanie en Arabie Saoudite, il faut traverser le Mali, il faut traverser le Niger, et il faut traverser le Tchad et le Soudan. Et du Soudan, prendre le bateau pour aller en Arabie Saoudite. Donc le Cheikh, lorsqu'il est arrivé dans l'endroit appelé Nawara, qui est à la limite entre la Mauritanie et le Mali, le Cheikh, rahimahullah, dit فبيعنا جمالنا فبيعنا جمالنا في قرية النعمة. Et c'est à ce moment que le cheikh a vendu les chameaux. Il a vendu ses chameaux pour
voyager cette fois-ci en voiture. Dans la ville de An-Na'mah, c'est là où il a fait ses adieux à certaines personnes qui l'avaient accompagné. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit qu'il a pris une voiture se dirigeant vers Bamako, qui est la capitale du Mali. Et le cheikh raconte souvent, lors de ces étapes, chez qui il s'arrête, en citant le nom de la personne, si c'est une personne qu'il connaît, si c'est l'un de ses élèves, si c'est une personne de son pays, si c'est une personne qui l'a accueilli convenablement ou non. Le cheikh, rahimahullah, cite beaucoup de détails. Il a donc pris, il s'est donc mis d'accord avec le chauffeur pour prendre pour le trajet qui les emmène en direction de Bamako. Le cheikh raconte qu'entre la Mauritanie et le Mali et la route vers Bamako, il est passé dans des champs dans lesquels étaient cultivés du maïs et des amandes. Et il a vu des gens qui ne portaient pas de vêtements. Leurs femmes avaient le crâne rasé. Ariyat jami'ul badan. Elles étaient dévêtues. والواحد منهم ذكرا كان أو أنثى يجعل خرقة صغيرة جدا من أو ورقة شجر على سوءة قبله. Et les hommes comme les femmes ne mettaient qu'un petit tissu ou bien des feuilles d'arbre pour cacher leur partie intime, et rien d'autre ne cachait leur corps. Et il dit, rahimahullah, ils étaient noirs de peau. Et j'ai entendu, d'après les informations que j'avais, que c'était des polythéistes qui adoraient les arbres. Et il dit, rahimahullah, nous nous sommes arrêtés dans aucune de leurs villes. Nous n'avons parlé à aucun d'entre eux malgré que la voiture passait au milieu de leur champ et de leur culture. Et il dit aussi, rahimahullah, wa sami'tu annahum rubbama akalu an-nas. Et j'ai même entendu que ils étaient même capables de manger les gens. Puis le cheikh, rahimahullah, a continué son voyage en voiture vers la ville de Mubata, dans laquelle il a rencontré des commerçants mauritaniens qui l'ont accueilli et qui ont été généreux vis-à-vis de lui. Puis le cheikh a continué son voyage et est arrivé à la ville de Fawa. Et là-bas aussi, il a rencontré des personnes de sa tribu, Al-Jakaniyin. Et il dit, et il est resté là-bas, rahimahullah, une semaine, dans laquelle il a été accueilli et dans lequel les gens se sont bien occupés de lui. Et beaucoup des gens de Fawa sont venus à lui et lui ont posé une multitude de questions. Et parmi les questions qui ont été posées à Cheikh, rahimahullah, une femme mariée dont le mari a disparu. Et elle a entendu pendant la disparition de son mari qu'il était mort. Elle a considéré cette information vraie. Elle a donc fait sa période de deuil, puis s'est remariée avec un deuxième mari
et est tombée enceinte de lui. Et par la suite, il est apparu que son premier mari n'était en réalité pas mort. Et qu'il ne s'est pas séparé de sa femme. Quel est le jugement de ce sujet selon le madhhab de l'imam Malik? C'était la question qui lui a été posée, rahimahullahu ta'ala. Pour ceux qui veulent la réponse, qu'ils retournent au livre. Mais ce que je me souviens de la réponse, Allahu a'lam, c'est que le cheikh, rahimahullah, a dit que à partir du moment où le mari n'était pas mort, le mariage ne s'est jamais rompu. Et donc la femme doit attendre qu'elle accouche, puis une fois qu'elle a accouché, l'on demande à son premier mari, veux-tu la garder ou souhaites-tu la divorcer? Et c'est ensuite en fonction de son choix que le reste de l'affaire se fera. Puis le cheikh, rahimahullah, a continué son voyage et est arrivé à la ville de Niamey, qui est la capitale du Niger. Il est resté là-bas chez un commerçant dont il cite le nom, Al-Kidi Touré. Et le cheikh, rahimahullah, le décrit comme étant un homme généreux, doté de beaucoup de qualités et qui apporte son bien aux musulmans qui voyagent et qui passent par lui. Il était, et le cheikh cite souvent cela, que ceux qui l'accueillaient étaient honorés et joyeux d'accueillir le cheikh, rahimahullah ta'ala. Puis, il continue son voyage, mais cette fois-ci en train, vers la ville appelée Jass, dans laquelle il passe la nuit. Et le cheikh, rahimahullah, lorsqu'il est arrivé dans cette ville, s'est rappelé un vers de poésie qui dit « غريب الوجه واليد واللسان ولكن الفتى العربي فيها » C'est-à-dire que les gens autour de lui avaient des visages, des mains et une langue étranges, mais l'arabe était au milieu d'eux. Autrement dit, le cheikh, lorsqu'il est arrivé dans cette ville, tout était étrange pour lui. Le visage des gens ne lui était pas familier. La langue qu'il parlait ne lui était pas familier. Et lui était arabe au milieu d'eux. Il est resté une nuit dans cette ville et ils ont réussi à se comprendre avec un propriétaire d'une voiture qui se rendait dans la ville que voulait atteindre le cheikh, rahimahullah, qui est la ville de Yoro Madafre. Le cheikh lui a donné l'argent pour l'emmener dans cette ville. Et ce n'est que quelques kilomètres plus tard que la voiture tombe en panne. Et le cheikh dit « فَمَا كَثْنَا يَوْمَيْنِ وَلَيْلَ فِي مَحَلٍ وَاحِدٍ مُوحِشٍ كَثِيرُ الْبَعُودِ وَالنَّدَى فِي خَلَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ » Et nous sommes restés 2 jours et une nuit dans un endroit qui fait peur, où il y a beaucoup de moustiques, beaucoup d'humidité, et dans un endroit écarté de la terre. Puis, le chauffeur a réussi à réparer la voiture, et ils ont pu continuer leur voyage. Mais la voiture est tombée encore une fois en panne. Le cheikh a alors attendu qu'une autre voiture passe par le chemin. Il s'est mis d'accord avec son chauffeur sur le prix. Et ils sont arrivés
dans la ville de Yoro Madafré. Dans cette ville, le cheikh raconte qu'ils avaient des soucis au niveau de leur passeport et ils ont trouvé un homme dont le cheikh cite le nom, qui est Abdou al-Mahmoud, qui a aidé le cheikh à réparer ou à corriger le problème qu'il y avait dans leur papier officiel. Et le cheikh cite un vers de poésie: وَإِذَا مُرُؤٌ أَسَدَ إِلَيْكَ صَنِيعَةً بِنْ جَاهِهِ فَكَأَنَّمَا مِنْ مَالِهِ. Il dit, et si un homme t'apporte un bien de par son statut, c'est comme s'il te l'avait apporté de son argent. Quelqu'un qui te rend service parce qu'il a une certaine carrure, il est respecté, etc., des gens, s'il t'apporte un bien de par son statut, eh bien cela équivaut, c'est comme s'il t'avait rendu un bien en dépensant de son argent. Et le cheikh, rahimahullah, continue son voyage et il s'apprête maintenant à partir dans la ville de Fouralma. Ils ont pris une autre voiture qui est encore une fois tombée en panne. Et là, je vous rappelle que le cheikh voyage, on est en 1946. Qui dit 1946 dit des voitures archaïques et dit des chemins qui ne sont pas comme ceux que l'on connaît aujourd'hui. À Koulihal, le cheikh cite que la voiture est tombée en panne et qu'ils ont été stoppés également. Et à la fin, quand ils sont tombés en panne cette fois-ci, c'est une pluie diluvienne qui est tombée sur eux. كَقِرَبِ كَأَفْوَاهِ الْقِرَبِ, comme le dit le cheikh, rahimahullah. Comme des orifices de jarre. Comme si on prend une grosse jarre et qu'on la reverse sur toi, pour montrer la quantité de pluie qui s'est déversée sur eux. Puis le cheikh, rahimahullah, est arrivé à la ville de Kanabar, qui est une ville qui se situe à la frontière entre le Niger et le Tchad. Et là-bas, il dit que les douaniers les ont énormément fatigués en fouillant leurs affaires. Puis le cheikh, rahimahullah, est rentré dans la ville de Hati, au Tchad. Et ils ont continué leur voyage. Jusqu'à traverser une ville dans laquelle le cheikh demandait ou espérait l'hospitalité de quelqu'un. C'est alors qu'un homme arabe, comme le dit le cheikh, fada'ani rajulun arabi. Et le cheikh dit: Wallahi ma sa'altuhu an ismihi wa la ismi abihi khawfan min al-ghiba. Par Allah, je ne lui ai demandé ni son nom ni le nom de son père de peur de tomber dans la médisance. Pourquoi le cheikh a dit ça? Parce qu'il est arrivé dans cette ville, un homme arabe lui a proposé l'hospitalité et le cheikh, lorsque cette hospitalité lui a été proposée, n'a pas voulu demander à cet homme ni son nom ni nom de son père pour ne pas tomber dans la médisance. Pourquoi? Car le cheikh dit après: فَأَنْزَلْنَا فِي مَكَانٍ يَعْوِي مِنْهُ الْكَلْبِ. Nous sommes arrivés dans un endroit dont se sauverait le chien. Et il a refermé la porte sur nous de l'extérieur. فَبِتْنَا بِلَيْلَةٍ لَا أَعَادَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِثْلَهَا. Et nous avons passé une nuit qu'Allah fasse qu'aucune nuit semblable ne revienne. Et il dit, rahimahullah,
وصبح تلك الليلة أحب غائب إلينا. Et le lendemain matin était l'absent le plus attendu chez nous. يعني le cheikh lorsqu'il décrit la nuit qu'il a passée dans cet endroit, il utilise les plus belles expressions arabes pour montrer la détresse et pour montrer le soulagement. Et le cheikh n'a pas voulu demander ni le nom de cette personne, ni le nom de son père pour ne pas tomber dans la médisance. Regardez le warah, regardez la piété. Pour ne pas citer par la suite le nom de cette personne qui peut-être pourrait être connue par quelqu'un d'autre. À kulli hal, le cheikh continue son voyage, rahimahullah, et au Tchad, entre les villes de Hajar et Abshah, le cheikh dit, nous sommes arrivés dans des endroits marécageux, dans lesquels les voitures se coinçaient, et les hommes venaient par dizaines, tiraient la voiture à l'aide de cordes, et lorsque la voiture était sortie de son trou, c'est alors qu'elle retombait dans un autre trou et qu'elle se coinçait une nouvelle fois. Et le cheikh dit, rahimahullah, فَمَكَثْنَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فِي مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ مَعَ تَتَابُعِ الْمَطَرِ وَالْبَعُودِ وَكَثْرَةِ الْوَحَلِ مِنَ الطِّينِ وَالْمَاءِ أُسْبُوعًا. Et nous sommes restés dans cette situation extrêmement difficile, dans laquelle la pluie est tombée, dans laquelle nous avons supporté les moustiques et la boue pendant une semaine. Et le temps qu'il nous a fallu pour aller de Fouralma à Abshah était de 13 nuits. 13 jours pour faire peut-être une cinquantaine de kilomètres. À kulli hal, le cheikh continue son voyage et il arrive au Soudan, dans la ville de Souakin, qui est la ville côtière au Soudan, qui amène directement en Arabie Saoudite, au port de Jeddah. Et le cheikh, il cite là-bas le grand nombre de pèlerins qui étaient stationnés dans cet endroit et qui attendaient de prendre le bateau pour rejoindre l'autre côté de la mer. Le cheikh, rahimahullah, a pris le bateau et ce voyage en bateau a duré un jour et une nuit. C'est alors qu'il est arrivé dans la ville de Jeddah, et la ville de Jeddah en Arabie Saoudite est une ville où il y a une certaine communauté mauritanienne, et il y a notamment là-bas des endroits qui sont réservés pour accueillir les Mauritaniens, et c'est dans cet endroit que le cheikh est arrivé, rahimahullah ta'ala. Puis il s'est rendu à la Mecque. Comme il le dit, rahimahullah, muhrimina mulabbina talbiyatan nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes arrivés à la Mecque en étant en état d'ihram et en faisant la talbiya labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Et le cheikh, lorsqu'il est arrivé en Arabie Saoudite et qu'il a accompli son pèlerinage durant les jours de Mina, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que la tente de Cheikh Mohammed Al-Amin al-Shinqiti soit à côté de la tente d'un des émirs. Et cet émir avait un amour particulier pour la langue arabe. Et dans cette tente, il y avait justement une discussion sur des termes pour lesquels il avait besoin d'éclaircissement. Et le Cheikh, jusqu'à ce que cette question soit soumise au Cheikh, et c'est alors qu'ils se sont rendus compte que le cheikh, rahimahullah ta'ala, était un océan dans la science. Et cet émir lui a demandé, lorsqu'il se rendra à Médine, d'aller à la rencontre de deux cheikhs, Abdullah Al-Zahim
et à Cheikh Abdul Aziz ibn Salih, qui était l'un des imams de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh, lorsqu'il est arrivé à Médine après avoir accompli son hajj, il s'est entretenu avec ces deux Cheikhs. Et une des idées qu'avait le Cheikh depuis l'Arabie Saoudite, il a entendu parler de Al-Wahhabiyya, les Wahhabites, et avait entendu notamment du mal d'eux. Et lorsque ces deux Cheikhs ont constaté cela de Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti, ils lui ont expliqué comment étaient les savants en Arabie Saoudite, quelle était leur façon d'adorer Allah Azza wa Jal et quelle était leur croyance. Ils lui ont soumis le livre Al-Mughni de l'imam Ibn Qudama dans le Fiqh Hanbalit et ils lui ont exposé des livres de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et le Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti, lorsqu'il a pris connaissance de cela de par lui-même, en mettant de côté les préjugés qu'il aurait pu entendre, il s'est rendu compte en réalité que le wahhabisme dont il était allusion était un mythe, était quelque chose d'inexistant et que ce n'était que des purs mensonges. Ceux qui disent que les wahhabites rendent mécréants les musulmans ou qu'ils excommunient ceux qui ne sont pas d'accord avec eux ou qu'ils rendent innovateur tout ce qui bouge, tout cela n'est que mensonge forgé sur mensonge. Celui qui regarde la da'wa de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, c'est un appel à adorer Allah azza wa jal seul sans le rien lui associer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par son intermédiaire, a purifié la péninsule arabique de toute forme de polythéisme. Et lisez les livres de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab qui sont nombreux, vous n'y verrez que qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Puis le Cheikh, rahimahullah, Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti, avait un souhait qui lui était cher, qui était de pouvoir enseigner le livre d'Allah dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De faire le tafsir dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et par la grâce d'Allah et par sa bonté, son souhait est devenu réalité. Le Cheikh, rahimahullah, a eu une chaise dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'enseigner et d'avoir une chaise dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose de prestigieux. C'est quelque chose de prestigieux. On entend en Europe les prestigieuses écoles, les prestigieux instituts, etc. Eh bien, en islam, l'un des prestiges, c'est d'enseigner dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Jibril alayhi salam a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans cet endroit que les compagnons ont enseigné la religion d'Allah. Et la religion d'Allah n'a cessé d'être enseignée dans cette mosquée ila yawmina hadha, jusqu'à nos jours. Le Cheikh également, lorsque en 1950, l'université de Riyad a ouvert, le Cheikh a été choisi pour enseigner dans cette université. Et les cours qu'il faisait dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne les faisait que en été, pendant les vacances d'été. Jusqu'en l'an 1960, dans laquelle l'université islamique de Médine a ouvert ses portes, et dans laquelle le Cheikh Hafidahullah a enseigné les sciences du tafsir et des bases du fiqh. Le Cheikh était respecté des gouverneurs. Le roi Abdelaziz Al-Saoud lui a offert la nationalité saoudienne à lui et tous les membres de sa famille. Et lorsque le roi Mohammed V s'est rendu en Arabie Saoudite, à Riyad, il a demandé à ce que
Cheikh Mohamed El-Amin El-Shinqiti l'accompagne à Médine, et c'est notamment en accompagnant le roi Mohamed V que le Cheikh Mohamed El-Amin El-Shinqiti a donné cette conférence de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est intitulée Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Le Cheikh faisait partie également de Hay'at Kibar al-Ulama, du comité des grands savants d'Arabie Saoudite. Et pour finir, comme le temps est dépassé, brièvement parler des comportements du Cheikh. Donc le Cheikh a beaucoup de livres et son livre le plus connu est Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan, le tafsir al-Qur'an et bil-Qur'an, qui est une explication du Qur'an qui montre toute la science du Cheikh Mohamed El-Amin El-Shinqiti rahimahullah ta'ala. Il ne l'a pas terminé, il s'est arrêté à Sourat Qad Sami' et c'est son élève Mohamed Atiyya Salim qui a terminé l'explication de ce livre Adwa'ul Bayan. Quant à son comportement rahimahullah ta'ala, il revenait à la vérité. Il n'a pas hésité à revenir à la vérité concernant les mois bénis, al-ashhur al-hurum, que le Cheikh avait considéré dans un premier temps que le verset abrogeait, que le verset était abrogé. Puis il est revenu sur cet avis en disant « Wa kunna naqulu binaskhiha fi daf'i iham al-ittirab, walakin dhahara lana bit-ta'ammul annaha muhkamah. » Nous disions auparavant que ce verset était abrogé, mais nous revenons maintenant sur cet avis et c'est la vérité qu'il faut suivre. Le Cheikh rahimahullah était ascète, c'est-à-dire qu'il ne donnait pas d'importance à cette vie d'ici-bas. Il ne donnait pas d'importance à cette vie d'ici-bas. Lorsque de l'argent lui venait, il prenait ce qui lui suffisait pour subvenir à ses besoins et le reste, il le donnait aux étudiants, aux orphelins, aux veuves, etc., etc. Le Cheikh ne connaissait même pas la différence entre les billets. Certains élèves ont dit, le Cheikh nous disait, je ne sais pas différencier entre les billets. Un billet de 20, un billet de 50, il ne savait pas faire la différence. Pourquoi ? Car il ne donnait pas d'importance à cette vie d'ici-bas. Et beaucoup l'ont entendu dire que lorsqu'il a voyagé de Mauritanie en Arabie Saoudite, qu'il avait en sa possession un immense trésor que peu de gens ont. Et lorsqu'il a été questionné sur ce trésor, il a répondu « Al-qana'a », la suffisance. Et il disait souvent « Al-jou'u yutradu bil-raghi vil-yabisi » فَعَلَى مَا تَكْثُرُ حَسْرَتِي وَوَسَاوِسِي. La faim, elle est repoussée par du pain dur. Pourquoi alors avoir des remords et être troublé? Pourquoi avoir des remords sur une chose que j'aurais pu avoir ou être troublé sur une chose que j'aimerais acquérir alors que tu sais très bien que la faim peut être repoussée en mangeant du pain sec? Il mettait en garde ses enfants contre cette vie d'ici-bas. Il leur disait que le diable peut faire embellir à la personne le fait d'être riche pour pouvoir donner. Et ceci peut être une des ruses du diable. Que le diable te dit, il faut que tu travailles beaucoup, il faut que tu sois un grand commerçant, que tu aies beaucoup d'argent pour que tu fasses du bien à la communauté. Cela peut être un bien, mais cela peut aussi être une des ruses du diable. Il lui a été offert, on lui a offert une maison à Ta'if. Cheikh Rahimallah a refusé. Il a dit, celui qui l'a construit pour lui, c'est qu'il en avait besoin. Quant à moi, j'ai ma maison à Médine, je n'en ai pas besoin. Et la maison de Cheikh à Médine, c'était une maison qui avait un plafond en bois, qui n'avait pas
de support métallique. C'était une maison de 2 étages, 4 chambres en haut, 4 chambres en bas, et les 4 chambres du bas étaient exclusivement réservées à ses élèves. Cheikh n'a jamais autorisé que l'on vende ses livres de son vivant. Il interdisait formellement que l'on vende ses livres de son vivant. Et il disait, c'est une science sur laquelle nous nous sommes fatigués. Et ensuite, on viendrait la vendre alors que je suis vivant. Jamais je n'accepterai cela. Le cheikh ne faisait pas attention à son apparence. Lorsqu'on le voyait, on avait l'impression que c'était un bédouin. Il sortait et pouvait même mettre des chaussures de couleurs différentes ou des sandales de couleurs différentes sans s'en rendre compte. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, lorsque l'imam Shinqiti a enseigné dans l'université de Riyad qui venait d'ouvrir, lorsque Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymin a quitté l'Unayza et son Cheikh Abdurrahman Al-Sa'di, il s'est retrouvé. Il le dit lui-même, Cheikh, je suis parti à Riyad et lorsque le Cheikh est rentré, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai laissé l'Allama Abdurrahman Al-Sa'di Al-Unayza et je suis venu ici m'asseoir devant des bédouins. Et le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, et lorsqu'il a commencé à parler, je me suis rendu compte que c'était une montagne de science. Lorsqu'on le voyait, on pouvait ne pas l'estimer de sa vraie estime, mais lorsqu'il parlait, lorsque la science sortait de sa bouche, c'est là où on se rendait compte de l'immense savoir de Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala. Il refusait catégoriquement que de la médisance soit présente dans ses assises. Et souvent, il mettait en garde ses élèves contre la médisance. Il prenait ses précautions dans la fatwa. Il ne répondait pas aux réponses de façon aisée comme cela. Il disait toujours « La atahammal fi zimmati shay'an » Al-ulama yaquluna kada wa kada. Et lorsque son élève, Mohamed Atiyah Salim, lui a demandé pourquoi, il a dit, Al-insanu fi afiyatin ma lam yubtala, was-su'al ubtila. La personne est tranquille tant qu'elle n'est pas éprouvée. Et d'être questionné est une épreuve. Car lorsque tu vas répondre, tu vas parler sur Allah et tu ne sais pas si ce que tu as dit sur Allah est vrai ou pas. C'était un cheikh qui avait une science immense. Et il a dit à son élève et à son fils, il n'y a pas un verset du Coran sans que je ne l'ai, comment dire, qataltuhu bahthan. Je l'ai étudié jusqu'à m'épuiser. Et il a dit à un de ses élèves, il n'y a pas dans un verset une parole qui a été dite par les ancêtres sans qu'elle ne soit chez moi. Et bien sûr, le Cheikh rahimahullah ne disait pas cela devant les gens, mais il le disait aux personnes qui étaient extrêmement proches de lui. Et lorsque, vers la fin de sa vie, rahimahullah, il a fait son pèlerinage et sa santé était faible. Certains de ses élèves ont voulu l'aider pour accomplir son pèlerinage. Il a refusé et il a dit, je veux me faire expier le voyage que j'ai fait à Londres pour me soigner. Le Cheikh Rahimahullah avait voyagé à Londres pour se soigner et il voulait faire le pèlerinage pour expier cela. Alors que c'est un voyage qui est licite, qui est autorisé pour se soigner. Mais le Cheikh voulait que le Hajj soit une expiation de ce voyage qu'il a fait à Londres pour se soigner.
Il était connu également pour aimer la lance, pour aimer le tir à l'arc. Et il citait souvent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Urmu bani Ismaïl, fa inna abakum kana ramiya, ala inna al-quwwata ar-rami, ala inna al-quwwata ar-rami. Lancez ou tirez à l'arc, ô fils d'Ismaïl, car votre père était un tireur. La force est dans le tir, la force est dans le tir. Et le cheikh, rahimahullah, a vécu nombreuses années en Arabie Saoudite et il n'a jamais voulu que l'on fasse une biographie de lui. Les seules choses qui étaient citées, c'était son nom, son prénom et peut-être l'endroit où il est né ou l'année dans laquelle il est né. Quant à son décès, rahimahullah, il est décédé le jeudi 17 du mois de Dhul-Hijjah de l'année 1393, qui est l'année 1972. Il est mort dans la ville de la Mecque, rahimahullah ta'ala, après être revenu de son hajj. Il a été enterré dans le cimetière de l'Mu'la, qui est dans la région dans le quartier de l'Hujoun à la Mecque. Et c'est Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah, qui a prié sur lui dans la mosquée sacrée de la Mecque après la prière de Dhuhr. Et les savants ont fait ses mérites. Cheikh Abdul Aziz ibn Baz assistait au cours de Cheikh Mohamed Al-Amin al-Shinqiti dans le tafsir. Cheikh Al-Albani également assistait à ses assises. Et Cheikh Al-Albani a dit à son sujet, lorsque je vois Mohamed Al-Amin al-Shinqiti, il me fait rappeler Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah. Il me fait rappeler Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et il dit aussi à son sujet, Cheikh Al-Albani, lorsqu'il parle, l'on a l'impression que le mushaf est ouvert devant lui. Lorsqu'il parle, on a l'impression que le mushaf est ouvert devant lui. Et Cheikh Mohamed ibn Ibrahim, qui était le mufti de l'Arabie Saoudite avant Cheikh ibn Baz, rahimahullah, se levait pour l'accompagner à la porte. Et Cheikh Mohamed ibn Ibrahim ne se levait pour personne, sauf quand c'était Cheikh Mohamed al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'an, wa askanahu fasiha jannatih, wa wassa'a lahu fi ridwanih, asa'u Allah azza wa jal, an yaj'alana hudata muhtadin, غير الضالين ولا مضلين وأن يجعلنا من الذين يقتدون بالأبرار ويتمسكون بالأخيار والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأعتذر على الإطالة وبارك الله فيكم.